Les typhons Raikou devraient atteindre la côte sud-est de la partie continentale de Chine mardi après avoir provoqué de forts coups de vent et des pluies torrentielles dans certaines parties de l'île de Taïwan. Les autorités locales ont signalé deux blessés dans le district de Hualien après qu'un arbre avait été tombé sur une voiture. En prévision de la tempête, des centaines de vols ont été annulés, près de 3 000 personnes ont été évacuées et des entreprises ont temporairement fermé leurs portes. Raikou devrait apporter des pluies diluviennes dans la province voisine du Fujian qui subit encore les conséquences du typhon Saola. Dans toute la province, les bateaux de pêche ont reçu l'ordre de rentrer au port et plus de deux douzaines de réservoirs ont déversé de l'eau afin d'atténuer les risques d'inondation. Les secouristes sont également en train de constituer des stocks pour aider les habitants de la région qui pourraient être touchés par le typhon.